Bienvenue dans mon monde. Un monde où il n'y a que la souffrance qui paye. Allez! Allez, encore! Allez! Les pouces! Tu les veux, ces mollets? Tu les veux? Allez! Encore! Souffre en silence! Respire! Encore! Chante! Allez! Et n'oubliez pas, on est les Spartiates. Salut à tous les Spartiates et bienvenue sur notre chaîne YouTube Maître Cal, la chaîne 100% motivation pour tous les Spartiates. Mes Spartiates, comme vous le voyez, on est en voiture, on va partir s'entraîner là. Il est 18h30, on va partir s'entraîner, c'est le Ramadan. Les gens conduisent comme des glands. Voilà, les gens conduisent comme des glands, voilà. Ici c'est touristique, donc il y a beaucoup de monde. Donc les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet. Tout d'abord, que là ça fait quelques jours que ça fait quand même 2 semaines à peu près que la chaîne elle est bloquée. C'est un peu la galère. Il y a toujours des petits trucs sur notre chaîne parce que les gens ils signalent je ne sais pas quoi. Il y a des disciples de je ne sais pas qui. Il y a des disciples de partout maintenant. Il y a tellement de groupes que tu comprends rien du tout sur YouTube. Moi je tiens à le préciser que Karen et moi, si on partage, on partage pour soi. De toute façon, on n'est pas là. Quand on se moque, on fait des trucs pour se marrer, c'est un peu marrant. Bah, après, les gens ils aiment pas l'humour, ils aiment pas. Ou sinon, pour dévoiler des vérités, ou sinon on n'insulte pas. Hein. Que ça soit bien clair, on n'insulte pas. Par contre, on n'aime pas qu'on se foute de notre gueule. Et ça, c'est une vérité. Allez, rentrez chez vous les touristes. On n'aime pas qu'on se foute de notre gueule, c'est obligé. Et on veut pas non plus que les gens qui commencent la musculation, ils commencent à dire des conneries qu'ils ont vues sur YouTube et qui croient que c'est vraiment ça ce qui se passe et que c'est pour évoluer et progresser en musculation qu'il faut passer par les étapes ou par les choses qu'ils ont vues sur YouTube. Mais entre nous les amis, maintenant la musculation et le fitness, c'est devenu un business de malade. Non mais entre nous, le jour où YouTube ça va couler, ça va fermer, on sait jamais tout ce qui peut arriver. Quand il y aura plus d'internet, plus rien, mais votre vie elle va être perdue en fait, vous allez être perdu de la vie en fait. Attendez là, là on aimerait bien comprendre là. Parce que pour vous YouTube c'est votre life en fait. Musculation, vous croyez que quand on a commencé la musculation, on l'a commencé avec YouTube? Pas du tout. Il n'y avait même pas d'ordinateur. J'avais rien du tout, moi c'était la merde, j'avais même pas les moyens d'acheter des chaussures. Ok? Donc maintenant, YouTube, on va le mettre à côté. On va parler du business de la musculation et du fitness. Mais je peux vous dire que les... vous faites pigeonner, mais comme jamais. Mais vous vous faites avoir. Mais vous êtes des âmes sensibles. Là, je m'adresse au public qui débute la musculation. Parce qu'à certains moments, les confirmés, quand ils vont voir qu'ils se font pigeonner, ils vont arrêter les conneries. Parce qu'ils vont voir que c'est du gaspillage d'argent dans le vide. Et au fil du temps, qu'ils commencent à apprendre vraiment la réalité du monde de la musculation, ils vont savoir que franchement ils étaient minables. C'est à dire qu'à dire que par exemple mange un citron matin, midi, soir, tu vas brûler la graisse, tu vas plus brûler ton estomac qu'autre chose, ou par exemple il faut prendre des compléments alimentaires roses pour les femmes, des compléments alimentaires noirs ou bleus ou ce que tu veux pour les hommes. Il y a trop de conneries, mais il y a tellement de conneries. Et vous croyez, et vous, pourquoi? Parce que vous, pour vous, une personne qui soit crédible, il faut qu'elle ait des abonnés à gogo. Il faut qu'elle ait beaucoup d'abonnés. Il faut qu'il représente bien à la caméra. Il présente bien plutôt à la caméra. Il faut qu'il soit beau gosse. Il faut qu'il soit, il a un physique de magazine, ok, pour qu'il soit crédible pour vous. Et ce mec-là, puisqu'il voit que vous vous intéressez à lui comme il faut, Et se sent plus pissé, vous allez mettre beaucoup de likes, vous allez l'encourager, même s'il fait de la merde, ok, je le répète encore une fois, même s'il fait de la merde, voilà. De toute façon, vous n'y connaissez rien, donc à la limite. Bah, parce que comme vous savez rien, et vous êtes des âmes sensibles, les gens qui sont en face de vous, qui font les vidéos, ils se permettent de vous faire gober tout ce qu'ils veulent. C'est pour ça, moi, je me prends ce petit moment-là pour vous parler de ça, pour vous dire, faites attention, la musculation, c'est un business de ouf.
Mais les gens, il n'y a pas de limite au niveau des prix, il n'y a pas de limite, chacun il fixe le prix ce qu'il veut, les salles de sport ils fixent les prix ce qu'ils veulent, les protéines maintenant chacun il fait le prix qu'il veut quand il ouvre une boutique, les programmes que ce soit alimentaire ou sportif, les programmes de transformation là qui sortent tout le temps là, vous comprenez rien du tout et chacun fixe son prix, l'autre 100 euros, l'autre 200 euros, l'autre 300 euros, business, fait cracher les gens et vous, et en plus, franchement, si c'était efficace à 300%, peut-être, mais vous, maintenant, tout ça s'achète. Vous mettez sur Google programme en ligne, coaching en ligne, programme de transformation, perte de poids, machin, vous allez voir des gens qui sont en train de sponsoriser leur programme à gogo pour qu'ils soient en tête de liste et vous allez cliquer dessus, vous allez dire celui-là, il est plus connu qu'un autre. Peut-être lui, il est plus connu, ça veut dire qu'il est plus efficace, donc je dois payer plus cher. Sauf que vous faites avoir. Hein. C'est pas tout le temps le fait de payer un programme cher. Les meilleurs coachs sont les plus humbles et les plus discrets. Attendez, c'est pas parce que vous allez payer le programme plus cher que c'est lui-là, c'est le meilleur coach et que vous allez avoir le meilleur programme qui va vous changer votre corps rapidement. Non du tout. Un programme lié dans le temps, il sert à que dalle. Quand vous allez trouver un programme, transforme ton, pour, par exemple, programme sèche en un mois, programme. Les amis, les e-books là, ils servent à rien. Mais c'est des papiers que vous pouvez faire vous-même en prenant 5 minutes à chercher sur internet. Prenez le temps, mais vous prenez le temps d'aller cliquer sur un putain de site et d'aller mettre les coordonnées bancaires pour vous faire pigeonner. Et vous prenez même pas le temps d'aller chercher. Comment bien manger, comment s'entraîner, etc. Mais c'est ça ce que je comprends pas. Et si pour ça, moi je me dis, c'est de votre faute à vous que ces coachs-là en ligne qui vous font arnaquer, mais grave. Ils vous utilisent juste pour faire leur business. Revenons. Moi, je coach. Ok. Vous savez que le coaching physique d'une personne, tu fais 3 séances par jour, t'es flingué. T'es flingué et pour gagner quoi en fin de compte? Pour gagner quoi? Tu gagnes, allez, 1002, 1003, limite 1005. Ok? Ça veut dire que c'est pas le truc de ouf. Hein, ne vous attendez pas que tu vas faire 10 milliards dans ton compte parce que ça ne sert à rien. Le coaching en salle. Tu vas prendre un CDI dans une salle, tu vas être payé 1100 ou 1002 et des fois tu peux même pas avoir un temps complet. Tu vas être en temps partiel. C'est une galère avec le BPJEPS. Ok? Mais ça, c'est la vérité de ce qui se passe en France, la vérité. Donc, du coup. Les youtubeurs, ils ont trouvé le bon business. Le bon business, c'est quoi? C'est de vous mentir, de vous vendre du rêve et de vous dire que les e-books, c'est utile pour... Maintenant, il y a des e-books gros pec, des e-books grosses fesses, des e-books je ne sais pas quoi, affine tes cuisses, des e-books avoir une grosse boule de biceps. Eh, mais tu vas t'acheter quoi? Tu vas t'acheter quoi? Tu vas rentrer à acheter tout? Tu vas t'acheter un corps ou quoi? Mais ça ne marche pas comme ça, les amis. Et eux, ils ont trouvé que c'était un business facile pour compléter leurs revenus. Peut-être eux, ils font, par exemple, je ne sais pas moi, ils entraînent des gens en physique. Ça leur fait un 1002. Et pour compléter tout ça, un petit site internet, tu rentres, t'achètes ton e-book. Il va se faire, par exemple, 100, 200 e-books par mois. À 30, à 40, à 50. Il y en a même qui sont montés à 100 et à 150 euros le e-book pour un PDF. Ou tu vas te faire, par exemple, une heure de lecture. Après, ok, le mec, il a peut-être mis... Attention, il a quelques jours à le faire. Mais attention, après, il a fait un prototype pour tout le monde. Par exemple, prototype, je ne sais pas moi, comme ils disent, prototype ectomorphe, mésomorphe, etc. Et derrière, il les met sur le site et c'est fini après. Toi, t'achètes tout le monde. Il a quand même travaillé dessus. Attends, il a travaillé dessus, oui. Mais soyons honnêtes. Mais après, voilà, c'est du easy parce qu'après, il peut le vendre à 50, à 200, à 3000 personnes. Donc, se faire de l'oseille, ça reste quand même facilement. Par rapport au coaching physique, où tu dois suivre la personne, où elle est en face de toi, tu vas la suivre, tu vas l'assister, tu vas lui montrer les exécutions, tout. Mais autre chose derrière, les amis, qui est le plus important, le suivi. Comment ça se passe, le suivi pour le e-book? Mais si achète un e-book et démerde-toi. Tu vas envoyer au service après-vente un message. Quand est-ce qu'il va te répondre? Mais quand est-ce qu'il va te répondre? Et est-ce qu'il est obligé de te répondre? C'est ça la question qui se pose. Vous voyez maintenant que vous allez perdre de l'argent, que vous pouvez l'utiliser pour remplir votre frigo. Voilà comment il faut penser, les amis.
Maintenant revenons. Moi je vous ai pris trois chaînes qui vous grattent à gogo. Par exemple, sachant très bien qu'ils mentent sur leur évolution pour les élèves, qu'ils mentent déjà, qu'ils disent qu'ils sont naturels sauf qu'ils ne le sont pas. Ok? Et qu'ils insistent. Ok? Ils insistent pour vendre leur e-book, qu'ils font des promotions tous les mois sur leur e-book. Et les amis, vous croyez que les gens qui vous font des promotions, c'est parce que voilà, c'est par plaisir pour vous aider? Mais parce que le e-book, il vaut que ça, compris? Moi aussi, je fais du coaching en ligne. Je fais du coaching. Je l'avoue que je fais du coaching en ligne et je vais l'arrêter. Pourquoi? Parce que franchement, je vois que les gens, ça ne sert à rien. Mais par contre, quand tu fais du coaching en ligne, quand tu donnes ton numéro de téléphone à ton élève que tu vas avoir, qui peut toujours te contacter pour savoir modifier son programme, et des fois de faire des entraînements, même quand la personne elle est loin, en visio, ça veut dire que tu peux voir comment tu peux l'aider pour savoir l'exécution, pour lui corriger la posture, etc. Je ne suis pas là pour vanter les mérites de mon programme ou non, parce que moi je ne suis pas là pour dire acheter, parce que ce qui se passe, c'est que les autres, c'est pire. Achète des compléments alimentaires, tiens mon code promo, achète mon programme d'entraînement, achète mon e-book. Ça veut dire que sans tout ça, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas progresser en musculation. Sauf que ce n'est pas ça la vérité. Ça n'a jamais été ça. Et c'est pour ça que ça pourrit notre passion et ça devient vraiment, ça devient cher. Ça devient très très cher la musculation. Alors qu'à la base, ça ne coûte rien. Regardez, là, on va aller s'entraîner en plein air. Oui, il y en a certains qui se foutent de notre gueule pour dire qu'on s'entraîne en plein air, ça ne marche pas. Eh, ça marche, les amis, quand tu es motivé, ça marche. Ça marche, mais ne vous laissez pas avoir par ce vendeur de rêve. Revenons maintenant à ces chaînes-là. Je vais commencer par la première chaîne Body Time. Ils se foutent de votre gueule à 300%. Et vous vendent des produits. C'est du business à gogo. S'ils ont réussi à vous vendre du business, bravo pour eux, parce que vous faites avoir, point à la ligne. Donc, c'est pas eux les chefs, mais c'est vous les pigeons. Donc maintenant, soyons honnêtes, comment réussir sur YouTube? J'ai entendu un YouTuber dire comment réussir sur YouTube. Mais le jour où ça va fermer YouTube, on fait comment? On meurt? On devient des SDF? On mange dans les poubelles? Mais c'est ça la question. Eh, YouTube, c'est pas la réussite, hein. Te faire filmer à soulever de la fente, tout le monde peut le faire. Avoir des likes, avoir des vues, oui. Mais quand YouTube elle va fermer, tu vas faire quoi? C'est éphémère, les amis, c'est éphémère. Bon, comme j'ai dit, Body Time avec leur programme, franchement, je vous dis un truc, ça ne sert à rien du tout. Sachant très bien que même eux, c'est pas eux qui font les programmes, mais c'est d'autres coachs qui les font pour eux. Alors là, c'est la meilleure celle-là. Autre chose, maintenant passons à Nassim Sahili. Nassim Sahili, je vous dis un truc, je ne savais même pas qu'il faisait des e-books, mais apparemment, il s'est fait allumer dernièrement avec ses e-books. Les gens, faut qu'ils apprennent avec les clignotants. Avec ses e-books, franchement, il y a un gars qui m'a envoyé dernièrement une copie de son e-book. Il m'a dit combien il a payé. Je crois que... franchement, c'est un peu cher quand même. C'est un peu cher quand même. Et après, pour le service, on va dire, après-vente, pour le suivi, la personne qui m'a envoyé le message, pourquoi elle est venue se renseigner chez moi? Parce qu'elle a envoyé plusieurs messages à Nassim Sahili et aucune réponse. Après, je comprends. Les mecs, ils ont des 200 000 abonnés. Quand ils commencent à faire des coachings comme ça, ils disent oui, ça marche, nanana. Mais les amis, tu vas t'occuper de 200 000 personnes en même temps? Tu vas répondre à 200 000 personnes en même temps? C'est pas logique. Donc pour toi, le suivi, oublie-le. Prends ton e-book et basta. Deuxième chose, ces gens-là qui s'inventent une vie avec leur natural transformation. Naturel. Je vous dis un truc. À partir d'aujourd'hui, je le répète encore une fois. Dès que vous voyez sur un compte Instagram ou Facebook ou sur une chaîne YouTube écrit natural, je le répète encore une fois, cette personne-là, elle a 90%, elle est chargée. Ou elle a utilisé des produits dans le passé où je m'en... Il y a des chances énormes. Parce qu'une personne naturelle, elle ne parle même pas du dopage. Elle n'est même pas censée parler sur le dopage. Elle n'est même pas censée parler quand une personne lui dit « Mais toi, t'es dopé. » Mais elle ne calcule même pas. Elle ne va pas rentrer dans le truc et dire « Oui, moi, faites-moi des tests antidopage. » Mais normalement, tout le monde doit être naturel. La base des choses, tout le monde est
naturel là-bas. Tout le monde est naturel. Les produits sont interdits, je vois pas pourquoi tu les fais ramener. Ouais, mais attends. Mais par contre, si tu te reproches quelque chose, ah là, tu vas rentrer dans le conflit avec la personne qui te dit que t'es dopé. Et basta. Tu vas appeler un huissier. Et tu vas appeler un huissier. Comme dans une vidéo qu'on a regardée, d'un youtubeur. Après, quand on dit la vérité, on se fait allumer, ça c'est tout le temps comme ça. Et on est des jaloux. Mais on n'est pas des jaloux, les amis. On s'en fout carrément. Hein. Là, on tourne la vidéo, on va aller pousser. Voilà, on va passer nos petits moments à pousser et basta. Mais nous, parce qu'on ne veut pas que vous fassiez pigeonner. Et après 2 ans, vous allez perdre de l'argent, du temps et vous n'allez jamais évoluer. Et vous allez même laisser tomber la musculation. Bon, c'est pour ça, moi je vous ai dit. Avec le recul, vous direz, mais qu'est-ce que j'étais con. Ben voilà. Maintenant, comme je vous ai dit, Nassim Saïli, il est rentré dans le milieu parce que lui, il y a des gens qui m'ont dit que Nassim Saïli, il a une salle de sport. Hein? À Lyon, VO2max. Quand on tape VO2max sur société.com, je trouve un monsieur Taïeb, moi, comme dirigeant. C'est pas lui. Peut-être qu'il s'appelle monsieur Taïeb, lui, en fait. Ben, je ne sais pas. Maintenant, revenons à sa transformation. On sait très bien que il a fait un pic de ouf. Et son physique, il y a 3 ans ou 4 ans en arrière, c'était le physique qu'on peut avoir dans les magazines. Maintenant, les magazines, je ne sais pas. Il faut qu'il fasse une sèche ou s'il reprend les produits. Voilà. Donc, contraction volontaire, mon cul, et transformation plutôt naturelle contre le mur. Troisième chose, Rudy Coya, c'est le maestro des e-books. On le sait très bien. Rudy Coya, je crois que c'est un bon coach en physique. Mais moi, pour. Bon. Il est très bon, je crois, en tout ce qui est coaching physique, en salle, etc. Il a créé son club super physique. Donc, déjà, lui, ça, c'est sa réussite à lui. Déjà, parce qu'il a déjà créé un club. Donc, sa réussite sur YouTube, je ne crois pas que. Mais pour lui, c'est vendre, c'est e-book. Le mec, il te fait, par exemple, 10 à 15 fois acheter mon e-book, je ne sais pas quoi, dans par sa vidéo. Vidéo. Par vidéo, c'est. Un peu chiant. C'est, voilà, c'est un peu chiant. Autre chose. Il vous parle, il vous dit faire une comment ça pour savoir comment une étude morphologique. Mais tout le monde peut le faire, ça c'est simple, ça c'est simple. Calculer ses calories aussi c'est simple. Tu rentres sur, par exemple, il y a des applications où My tu rentres. Fitness. Ouais, il y a des applications. Tu rentres, tu dis je veux perte de poids, je veux prendre de la masse. Tu rentres ta poids, ta taille. Voilà, la calorie, le machin, il va tout te calculer. Mais ça, et en plus, c'est même pas payant. Tu peux les trouver gratos. Non, mais c'est gratuit. Après, t'as juste des extensions. Alors, elle est perdue. Voilà, donc ça, c'est abusé. Donc, nous, et les amis, l'argent. Non, je peux vous dire qu'on galère pour l'avoir, l'argent, nous, pour ouvrir une salle de sport. Je peux vous dire que c'est très difficile d'avoir de l'argent. Et les gens, ils se permettent d'aller gaspiller leur argent dans n'importe quoi. Au lieu d'aller, franchement, remplir votre frigo. Et avec des vrais bons aliments. Voilà, donc attention, vous vous faites avoir. Et dans ce milieu-là, il y a des gens. Écoutez, il y a des gens qui se font leur business avec les e-books, machin, etc. Tralala. Et derrière, il y a des gens qui veulent manger aussi la part du gâteau. Tu te fais marrer. Quand J'aime Corps des aides avant, il faisait pas. Il avait un site internet où il était que sur les États-Unis. Maintenant, il s'attaque partout maintenant. C'est partout. Et pourquoi vous croyez? Surtout les Français, car les Français sont vraiment très naïfs. Les Français sont très naïfs, hein, parce qu'on le sait très bien. Et maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que vous savez que les featuring. Pourquoi vous faites des featuring, même avec des gens qu'ils ont. Que vous critiquez, machin et tout ça. Mais pour avoir plus de visibilité, et pour avoir un autre public, et pour pouvoir vendre plus vos programmes. Enzo TV, ça me fait marrer, le mec il est chargé à 300%, les amis, arrêtez, mais réveillez-vous, merde. Vous avez vu un physique naturel, comment il est, pendant les compétitions? Mais allez-y voir, il y a des compétitions à FBBN, mais vous allez voir, vous allez vous pisser de rire. Les mecs, les épaules, ils sont même pas arrondis. Là, vous voyez des mecs avec des épaules en noix de coco. Mais arrêtons les conneries. Et lui aussi, au début, il voulait pas faire des coachings en ligne. À un moment, il a commencé à faire des coachings en ligne pour prendre sa part du gâteau aussi. Donc, les amis, franchement, faites attention à votre argent. Faites attention, si on fait cette vidéo-là pour vous dire que franchement, c'est pas utile. C'est des PDF que vous pouvez vous faire vous-même. Mais faites-vous votre propre programme vous-même, les amis. C'est simple, regardez les exercices qui marchent sur vous, regardez les aliments que vous aimez manger, calculez vos calories, regardez l'objectif que vous cherchez et vous allez avoir les résultats. Mais la musculation c'est quoi? C'est un sport de patience à 300%. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, Hardcore Team HK, sur mon Instagram Maître K, l'Instagram de Karen si vous avez besoin d'aide. Voilà, pas Karen. Voilà les amis, n'hésitez pas.
Et si vous avez... Hey, c'est simple. Prenez, par exemple, vos groupes musculaires, partagez-les en séance, regardez les exercices qui marchent le plus sur vous avec les meilleures sensations, regardez les aliments qui fonctionnent le plus pour vous aussi, et faites-vous votre propre programme. Votre propre programme qui marche sur vous, c'est ça le meilleur programme, et non pas le programme acheté tout fait avec une carte bleue sur Internet. Faites attention, les amis. Faites attention. Et après, on dit, je me fais pigeonner. Mais c'est normal, c'est vous, c'est vous. C'est vous les fautifs. Eux, ils font leur business, point. Voilà, les amis. Donc, moi, j'ai pris le temps de faire cette vidéo-là. Après, c'est à vous de juger. Et surtout, les amis, n'oubliez pas, il n'y a que la souffrance qui paye. Persévérance, patience. Et ne vous... Et surtout, la souffrance à 300%. Et vous allez avoir des résultats. Mais des résultats qui vont... au fil du temps, qui vont être de qualité. Vous allez vivre avec ça. Et non pas les autres là qui vous vendent du rêve, prends 10 kilos par là. On dirait que c'est des chirurgiens maintenant, les coachs en ligne. Par là, par ici. Restez à 300%, les amis.